Impeccable. Mais pour ça, il nous faut la vraie musique. Victimus est revenu avec une nouvelle voix non brisée. Victimus est prêt. Victimus, invincible dans l'absolu. Prêt à victimiser et à soumettre les malandrins, les fiefés coquins, les forces du mal et les prostituts, Yonivan. Victimus. Ha ha. On est là. Il est beau. Est-ce que du coup je peux en faire sa voix sans être malade? Là. Sans le casque. C'est mieux. Ah ouais, putain, c'est resté, hein. C'est resté. Victimus est chevalier. Il a perdu ses parents très jeune, à cause des méfaits de la drogue et de la grâce. Depuis, il combat inlassablement les forces du mal, afin d'oublier que personne n'était là pour arrêter celles qui lui ont enlevé ses parents. Et pour cela, il a le casque le plus protecteur, mais qui lui comprime la gorge. Le transformant en Victimus. Invincible dans l'absolu. Je me force pas du tout. Vas-y, Edorel, y a pas de souci. Ah, merci, Foxitsune. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et bienvenue. Ha ha! À Victimus! Face aux forces du mal. Aujourd'hui, nous avons 40 000 âmes et nous allons nous aventurer en. Je sais pas du tout comment s'appelle ce pays, mais pour moi, c'est le pays d'Harry Potter parce qu'il y a littéralement. Victimus voit Poudlard d'ici! Ça poudlise! Par contre, pour y accéder, ça a l'air d'être un chemin d'enculé quand même. Ça Poudlard. C'est la Bretagne, Bob, c'est la Bretagne, exactement, Glapou. Sauf qu'avant ça, nous allons visiter, et pas victimiser, tous les marchands possibles et imaginables, afin d'y dépenser notre argent durement gagné, mais aussi de récupérer tout ce qu'ils ont à offrir. Victimus peut pénétrer Dumbledore avec son casque. Victimus n'a aucune limite. Très bien, allons-y. Alors, j'ai oublié comment jouer, j'ai oublié tous les timings, et donc je vais être mauvais pendant un certain temps, il faudra me pardonner. Mais en attendant, voilà, au sud. Là, ya! J'espère que les épisodes que je vous ai postés vous ont plu durant mon absence. Visible saignement accumulé, ça vaut pas très cher, on va les prendre. Hop. Visible sommeil accumulé. Ouf. Pierre de forge achetée par Victimus. Une épée large pour un taux de pénétration maximal. Plus d'armes pour Victimus. Fort aimable. Très appréciables et appréciés. Ça sert à rien d'acheter toutes les armes. La collection, petit, la collection. Ah oui, toi, tu me demandais d'exécuter ce minable de Godric. Il a été laminé, pulvérisé, publiquement humilié, et Victimus s'est assuré d'éjaculer sur son cadavre. Oh, well done. Well done indeed. You bested Godric the Grafted and claimed a great rune. Aucune corde n'est assez longue pour l'arc de Victimus. Now, visit the round table hold for an audience
with the two fingers in the inner chamber. Go to the round for an audience. Très bien, je tâcherai de m'en souvenir. Mon arc est bien bandé. Alors, Voyons voir, des couteaux, des trucs de remède de droit cochu, des bombes, des cessards de fabrication, des plans, une armure pour Victimus. La fashion, c'est important. Victimus l'a toujours dit. Goodbye. Très bien, ce marchand a été dépouillé par Victimus. Imoriana, c'est pour toi! Victimus! Victorieux! Vous savez maintenant que vous devez ne craindre Victimus! Taïo! Taïho! Tour! Ouch! Victimus! Victimise! Tour! Arrière, misérable, arrière! Tour! Plus qu'à trouver notre fier et puissant compagnon, Pat le miséreux sexuel. Qu'as-tu à nous offrir cette semaine, mon cher Pat? Welcome to Patch's Emporium. Mais voir. Des pattes d'eau latines en saumure dorée. Excellent pour Victimus. Des taxes d'éventail. Oh. Oh. Les lampières, une dague parade, un bouclier en bois chevaleresque, des carreaux de baliste d'une puissance incroyable. Victimus te remercie. Très bien, donc ça c'est un magasin supplémentaire pour Victimus. Et il y en a un autre, ici, la vieillarde de l'augure des doigts. Je ne me souviens plus de ce qu'elle veut. Bah! Aucune importance. Taïho! Taïho! Est-ce qu'on est loin des géants ou pas? Pas tant que ça, dirais-je? Non, attends. Te laisse pas détourner. Te laisse pas détourner. Taïho! Oh! Victimus vous observe! Grenade! Grenade et victoire pour Victimus! Ouh, belle esquive! Ouh, pour la vache! Bouclier! Anti-victimisation! Ah ah! Oh! Oh! Victimus se contrefiche de vous maintenant. Vous êtes trop faible pour lui. À peine une menace, telle une gerbille face à un lion affamé. Justement, on parlait de gerbille. Ah merde. Voilà, Victimus dévore les gerbilles. Fait toute la VOD avec cette voix. Déjà les mecs se fatiguent. Bonjour madame. Please, I can't leave them. Your feet. Oh,
here and reunite the hall, but the brimstorm veil. Ok. Donc je ne sais pas ce que cette vieille me veut, mais c'est sans doute sans importance pour Victimus. Là, il y a le maître de guerre avec ses techniques. Parlons-lui. Faudrait voir un ostéo, la vieille, quand même, hein, j'avoue. Victimus n'a rien trouvé à son goût. Victimus est triste. Célène la sorcière. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dans celle de la sorcellerie. Là, il y avait Monsieur Homme-Loup. Là, il y avait Héritier de Nécrolin, mais il n'a rien à nous vendre. Là, il y a un marchand nomade. Victimus s'empresse. Est-ce que la vieille veut prendre du plaisir avec Victimus? Mais bien sûr. Toutes les vieilles. Échangeons, échangiste, des pierres de forge. Excellent pour Victimus. Et Pépatane. Encore un achat assuré et assurant pour Victimus. Pierron, bouclier en petites pierres, des carreaux d'arbalète de baliste. Fort aimable. Marchand ascétique. Ça coûte tellement cher, ça. Ah ah. Des pierres de force, assurément, pour Victimus. Des cailloux magiques, pour Victimus. Des cendres de guerre perdues qui permettent de dupliquer les cendres de guerre, pour Victimus. Est-ce un investissement intéressant? Qu'en savons-nous? Qu'en désirons-nous? Maximum pour Victimus. Oh. Have a safe trip. Alors, voyons voir. Ensuite, là-dedans, nous avons un marchand nomade. Et un Gauri le sage. Ok. C'est très Gauri. Et là-dedans, il y a, je crois, il y a le sclerc bestial qui demande des morceaux de bait. Mais je ne peux pas encore les fournir. J'ai malheureusement pas les moyens de lui fournir. Cœur d'ivoine, je sais que c'est une merde d'y aller. Il vaut mieux se téléporter là. Victimus qui a toujours son casque de chevalier mobile. Il l'aura jusqu'à la fin. Il y a peut-être d'autres sets de mon armure, mais le casque de chevalier mobile, c'est assez imbloquable en vérité. Pas d'ennemis dans les alentours de Victimus. Demi-tour. Plus sur la gauche. Et Tyro. Tyro! Plus vite. Toujours des vêtements pour Victimus. Victimus ne s'arrête pas aux simples accessions et acquérances. Victimus consomme. I'm finished here. Manuel de guerre, et voilà. I'm finished.
Des tongs ? Victimus achète. Victimus, prêt à l'assaut. Victimus, chevalier Playmobil. Victimus, a toujours pas à gouverner pour sa bienfaite. Victimus entreaperçoit sa prochaine victime. Approche. Fais donc face à Victimus! Ah, bien joué. Comment ça touche ça? J'ai bloqué. Et bon. Ah putain, le comment dire? L'angle est pas parfait en fait. Ah, bien joué ça. Victimus trouve ce chevalier facétieux. Oh là. Ah la vache. À chaque fois, je clique sur le bouton pour sortir du cheval sans faire exprès. Tant pis. Mmh.
Victimus victorieux. Victimus se moque de Kaelid et de ses 30 niveaux de différence avec Victimus. Rien ni personne n'arrêtera Victimus dans sa quête de chatte. Victimus a des objectifs très précis. Victimus ignorait qu'il y avait un point de grâce ici. En voilà, c'est une excellente nouvelle pour Victimus. Aussi, Victimus se demande ce qu'est cet appareil étrange et inconcevable. Un sorcier, un magicien, un maître couille. Autant de victimes pour Victimus. Hadouken ! Ai-je attiré ton attention ? Ô guerrier misérable, au tir pitoyable, à la précision lacunière ? Ah oui d'accord, tu es comme ça ! C'est comme ça que tu es ! Très bien. Victimus ! A quelques questions sur le bien fondé de ce processus. Le Victimus déguerpit. Qui est mon ennemi et où est-il ? Pourquoi m'empêche-t-on de procéder ? Objet en vue. Très bien. C'est un géant sur la colline. Ouais, non, mais j'ai vu. Ok. Un autre ennemi pour Victimus. Est en train de me mettre 10 000 0. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, c'est moche. Bien joué. Là, Victimus, invaincu. Même pas vu combien il m'a rapporté ce fumier. C'est le chien dans The Mask, j'avoue. Un T-Rex mélangé à un Pitbull. Eh ben, vivement que j'augmente les qualités de ma lance parce que... N'empêche, vous êtes sûr que c'est juste du damage scaling avec le niveau de la lance? C'est pas juste mon niveau général? Parce que j'ai l'impression de faire 1000 fois plus mal. Oh, you found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan. A meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life.
Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half. Can you give me... As well made... D'accord. Victimus se demande si cet homme est un allié, réellement. Victimus se souvient que cette ville est la ville de la victimisation. Victimus a passé de très 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 moments collégiens ici. Victimus s'est fait molester. Ah, how nice, please. C'est cher, mais ça vaut. Ok, donc j'ai tout ce qui était intéressant d'avoir. Un autre marchand d'hier de l'augure des doigts. Encore un ? Bah alors. C'est cher, mais ça sauce, absolument. Je vois un autre chien. Où est la merde ? Et voilà. Bonjour, madame. Please, your feet. Are you to the south, to the east, but dear? D'accord. Donc en clair, cette vieille me donne des quêtes et me dit à peu près où se passent les choses qui se passent. Très bien. Cabane du marchand ascétique. Il me faut de la flotte. Je vais me chercher de la flotte. Où ça? Où ça? Miséricorde! Victimus s'efface! Victimus est mort. Victimus s'est fait one shot? Victimus s'est fait one shot! Au moins. Voilà. Back unusual to this. Des attaques draconiques. Victimus, victime de la mode. Have a safe... Fort aimable. Victimus, samouraï. On était allé là. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Est une tour. Et surtout, je vois des chiens. Une espèce de chien loup démoniaque au milieu des chèvres. Ces chiens loups sont pas top à affronter. C'est pas non plus le pire hein, à affronter. C'est juste assez chiant. Mais...
D'accord. Perturbé par les chèvres. Tant pis, tu me diras, j'avais pas beaucoup d'âme. Biquette qui m'agresse, ouais, j'ai vu. Victimus se venge. Victimus alcoolique. Tour. Tour. Ouch. Putain de merde. Tellement douloureux ça. Excusez-moi. Victimus essaie d'en finir avec sa victime. Il est tellement fort, pourquoi il a tellement de points de vie? J'ai l'impression que je faisais plus mal avant. Pourquoi je fais moins mal maintenant? C'est terrible. Est-ce que celui que j'ai affronté était plus faible? La partie haute de Khalid est plus énervée. Fuck! Bon, Victimus est sorti d'affaire. Sorti d'affaire. Victimus a failli commettre l'irréparable. Deux dragons! Ouais, non, mais le problème, c'est que je peux pas en affronter un déjà. Pour ça, il faudrait que je puisse l'isoler. C'est peut-être un peu haut. Non, c'est bon, c'est passé. Voudrais pas si Victimus se sert. Pas de raison de laisser tout ceci se perdre. Quand t'as trouvé l'entrée du lieu, Victimus, maître du platforming. De toute façon, j'ai pas le niveau pour faire cette tour, on est d'accord. Bon, d'accord, je vais me faire mutiler. Bon. Je ferais mieux de retourner en... Comment s'appelle le pays d'Harry Potter, d'ailleurs? Putain. Ouais, laisse tomber, je vais retourner au pays d'Harry Potter. De toute façon, je peux rien faire ici. Allons-y. Lurnia. Décidez-vous, c'est Lurnia ou Lurnia? Décidez-vous. Je vais chercher de la flotte. Je reviens.
Ouh, Erasim, une information qui intéresse Victimus. Alors là, j'ai pris mes fonds de bouteilles, les bouteilles de sirop qui étaient presque vides. Est-ce que j'ai exploré ça? Je crois pas, hein, j'en ai pas le souvenir. Il me semble que j'avais pas le niveau. Allons-y. Tu as regardé les autres lances que tu as eues? Bah, le problème c'est que comme c'est la seule que j'ai upgradée, c'est la seule qui est valable en fait. Toutes les autres lances, comparativement à ma lance plus 5, c'est de la merde. Malheureusement. La lance de cavalerie, elle est bien, mais éventuellement la hallebarde de commandant, que j'ai les moyens de porter, si tu veux. Il fait effectivement assez mal, et qui a un bon buff. Mais le problème, c'est que je suis encore plus lent qu'avec ma lance d'avance. Et je peux pas attaquer en même temps que je garde, donc c'est pas très safe. Après, il y a un bon rattrapage. Une bonne attaque de saut. Je ne sais pas. Il y a plein de grandes... Il y a genre 10 points de différence de dégâts, tu vois. Pour la barre dorée, il me faudrait 2 points de foi. Ah, tu vois, je peux pas en servir efficacement. Par contre... J'ai pas les points de foi pour la barre dorée. Je sais pas si je reste pas sur ma lance. Go double hallebarde, il fait que des attaques sautées en vrai. Lui. Après le problème c'est que je suis habitué à jouer avec un bouclier moi en fait. Ah, je suis quelqu'un qui joue au bouclier hein, je m'excuse hein, mais j'aime bien le chevalier en fait. C'est un peu lent, non? Tout est lent dans ce jeu. Tous les ennemis sont très rapides et tout est lent. Si tu connais pas le jeu par cœur et les points d'ouverture de chaque ennemi, tu peux pas attaquer, c'est jamais ton tour en fait. C'est un des gros points défauts du jeu quand même. La grande lance fait bien le taf avec le bouclier. Le problème c'est que ça fait moins de dégâts que ce que j'ai donc... On peut l'essayer. La rapière géante est abandonnée comme surnom. J'adore la rapière géante. Juste que, encore une fois, comme j'ai tout mis dans la lance, la rapière géante est moins puissante. Et comme j'ai pas les outils ou moyen de trouver de manière durable les outils, puisqu'on ne peut pas farmer les pierres, ce que je trouve complètement débile. Bah du coup j'ai aucun impétus de jouer une autre arme que j'ai pas pu améliorer, tu vois.
Il a pas lu le patch. Quel patch? Tu pourras en acheter chez les marchands plus tard, Bob. Oui, mais plus tard. Plus tard, c'est pas le début du jeu quand t'as envie d'expérimenter plein d'armes, si tu veux. Victimus! Invincible dans la gifle! Victimus ne tolère pas l'existence des poulpes! C'est des ennemis! Ouah! Ouch! Victimus s'est pris une faciale de poison! Victoire pour Victimus! D'accord, cet ennemi se contre-moque de... Ah ah! J'ai essayé de sauter, mais j'ai pas pu. Putain. Alors. Voilà, sinon... Merci. La gifle par Victimus. Très bien, alors, Victimus a la solution. Victimus, il ne sait pas comment, mais a débloqué une lance de flammes. Exprès pour ses malandras et ses fiefs fumiers. Ça ne leur fait pas grand chose. Ça ne marche pas bien. Ça ne marche même pas du tout. Oh, voilà un problème. Bon bah Victimus va jouer la torche classique si Victimus la retrouve. Voilà. Voilà, ça marche mieux. C'est sans doute l'aspect perçant qui n'est pas très efficace. Voilà. Victimus a juste eu le temps de s'équiper d'une épée. C'est moi où je fais masse plus de dégâts même avec une arme de merde. Les niveaux comptent dans ce jeu? Les niveaux comptent. Les niveaux comptent. Les niveaux comptent. Et pas les stats. C'est à chier. C'est à chier. Un mage level 150 qui a mis 0 points en force tape plus dur avec ses points qu'un guerrier level 10 full force avec un marteau. Bob, c'est l'arme qui compte. C'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme? Cette arme, c'est de la merde que j'ai équipée en urgence, si tu veux. Oh là là, et là vous êtes là. Non, non, info chat. Vous mitonnez. Vous michetonnez. Les niveaux comptent. J'hallucine. Ouh, Victimus. Vous michetonnez, vous êtes des chou, vous êtes des chouins. Ah putain. Regardez les dégâts insignifiants que j'ai pris. Regardez ça. Et pourtant au début j'avais la même armure, souvenez-vous. Souvenez-vous. Victimus était équipé pareil et prenait 1000 fois plus de dégâts. Parce que c'est simple, on peut en faire l'estimation complètement nette. Vous savez pourquoi on peut en faire l'estimation nette, bande de petits fils de pute intègre? On peut en faire l'estimation nette parce que cette armure que j'ai là, je l'ai depuis le premier camp du jeu avec Victimus. Mes niveaux ont augmenté. La défense physique monte si on monte en force. J'y crois pas.
J'y crois pas. Tu gagnes en def aussi avec de l'endu. Et la volonté. Et la volonté. Mais Bob, t'es dans le déni. C'est vous qui êtes dans le déni. Les niveaux comptent. 0 sur 20. Miyazaki nous a menti. J'ai même pas esquivé leurs attaques. Honteux. Le plongeon dans les méandres du déni. Dites-moi que j'ai tort! Dites-moi que j'ai tort et essayez d'avoir raison, s'il vous plaît! T'as tort, Bob! Essayez d'être convaincant! Victimus n'est pas convaincu. Regarde tes stats de défense la prochaine fois que tu level up. D'accord. Mais la prochaine fois que je level up quoi? Parce que si vous me dites « Tes stats de défense augmentent à chaque fois que tu up n'importe laquelle de tes stats. » Ce qui veut dire « À chaque fois que tu gagnes un level, tes stats de défense augmentent. » Ce qui veut dire que les niveaux te comptent. Que je peux mettre 1000 points en ésotérisme. Avec votre défense physique, ok. Tétane de dégâts de chute, d'accord. Le titre de cette partie sera les niveaux comptes. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'un champ title, les niveaux comptent. Écoutez, on attend le prochain passage de niveau. Ah! Je peux farmer les mobs en boucle, le dernier patch a augmenté les drops, excellent. Ouais, forcément. Victimus te voit, tu sais. Viens dire bonjour à Victimus. Chiant encore, je sens. Là. Là. Regarde tes armures, elles scale sur la force et la dex aussi. On verra. On verra. Victimus. Les muguets mortifères, il y a moyen de les farmer efficacement ou c'est limité pareil? Parce qu'on m'a dit que ça servait à faire EP les... Ouch, ouch, ouch. Ah, Victimus se fait agresser dans le dos de manière intelligente et stratégique. Victimus apprécie la fourberie. Diabolo, Diabolus. Haha, ça marche dans les deux sens. Ah, bah alors. Là. Quand même. Quand même, ils m'ont prank sec, hein.
Victimus a vu venir. Victimus voit le Gouac venir. Victimus a tenté de lever la garde, mais elle s'est jamais levée. Pourquoi? Parce que j'étais dans le message, une porte lourde s'est ouverte quelque part, je pouvais pas jouer. D'accord. Gros jeu. Là. Donc il y a moyen de jouer le muguet. Mm-hmm. Oups. Victimus. Victimus trivialisant. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Oh, le chevalier de Besprit banni d'Engwall. Il demande 100 points de magie. Putain, c'est cher. Oh. Mais ça donne presque envie d'investir un peu dans les points de magie, tu vois. Hey, pourquoi j'ai pas eu cette cendre? Dominatrix, t'es baisé. T'as noté qu'ils avaient nerfé le rempart inébranlable lors du dernier patch? Ah bon? Ah merde! Oh non, ma stratégie! Oh non! Les points sur les bois magie jusqu'au niveau 20, c'est plus 3. Après, c'est plus 6. Putain, mais c'est débile! Pourquoi? Ça pénalise de ouf! Ah, Nick Maras, j'imagine. Très bien. Non, mais écoutez. Victimus! Annonciateur de victoire et pourfendeur de chatte. Le rempart dure maintenant 7 secondes au lieu de 15. Ah putain, chiant. C'est super court du coup, tant pis. La veine de l'artiste, très bien. Il coûte x2 et il dure 15 secondes. Wouah. Ils ont divisé son efficacité par 4. T'es sérieux? Damn. Ah, bon bah il faut juste que je développe ma force jusqu'à pouvoir porter le vrai bouclier en vrai. Le vrai bouclier plein, parce que le vrai bouclier plein, magie pas magie. Si j'ai un vrai bouclier réel, si tu veux, ça va se passer différemment.
C'est bien qu'il multiplie par 4 l'efficacité de la pression de la parade, j'avoue. Ok, bon. Victimus a assez tergiversé. Bob qui se rend compte qu'il ne peut pas faire The Wall en strat. Si, si, Grey Foxy. Ça a juste demandé un peu plus d'investissement. Mais là, déjà, t'as encore celui du Chevalier Noir à récupérer ainsi que l'armure. C'est vrai qu'on pourrait faire demi-tour et aller récupérer l'armure du gros chevalier du château, vous vous souvenez? L'armure avec la grosse protège-couille. Faut juste monter toutes tes stats à 99 pour être tranquille, bien sûr. Une stratégie viable pour Victimus. Et combien j'ai 2000 de d'âme, c'est rien en fait. Seulement je pouvais les one shot. Ouais ouais point. C'est ça point mi motherfucker. J'ai payé celle-là. On peut pas s'en servir? Oh, c'est tellement dommage qu'on puisse pas se servir de ces armes là. Il y a tellement une perte si vous voulez mon avis. Ah là j'ai sauté, j'aurais pas dû, j'ai sauté droit dedans. Et tu vois là ça l'active pas, je suis vraiment dégoûté. C'est donc pas là. Chambre voisine de l'ascenseur. Est-ce que c'était là? Faut une formation. Château de Voilorage. Alors, comment j'ouvre la porte de cette cellule déjà? Non, là c'est de là où je viens. Il cherche quoi, Bob? Il cherche de trouver le moyen
d'aller affronter ce chevalier avec sa grosse lance et sa grosse bite. Il croit se souvenir qu'il y avait un passage, mais où ? Là, il y a plein de peaux, mais ils n'ont pas l'air hostiles, donc on va les laisser vivre. Ils cherchent l'amour, j'avoue. Ça, je l'ai, c'était juste avant la baston avec Monsieur Godric. Là, c'est juste un géant pourrave. Invocation ! Il est au sol! Victimus! Invincible! Ah, dans l'absolu! C'est pas du tout là que je voulais aller. Mais où est-ce qu'il était? Par les chauguettes, faut passer les piafs de l'enfer. Oui, non, mais c'est là que l'autre, il est mort, ça, je sais. Et ça, c'est pas donc ça. C'était là, et chauguettes? Fais le tour du lieu sombre et délabré avec les fameux pots. Par la suite, trouve la solution pour la porte, ok. Oui. Et donc là. C'est ça, il faut vaincre les piafs d'abord, c'est ça? D'accord, super. Mais d'accord. Ok, gros gameplay. Je touche même pas! Mais lui non plus. Au moins, ça a le mérite d'être rassurant. Et là, il me touche! Je vous jure que Victimus en a marre. Là! Il va falloir trouver un moyen de streamlanner ça, hein, parce que c'est pas possible. Le chevalier du creuset en bas, il y est plus, hein, on est d'accord? Non. Ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Là, dans l'église, il y avait un magicien, pas lapin le magicien. Est-ce qu'il faut que je retourne lui parler? Je me souviens plus ce que je lui avais dit. Il cherchait un truc, je crois. Ah, nous y voici. Ok. Et la table ronde, normalement. Très bien. Victimus attend sa victime. Faut finir sa quête ici, par contre. J'ai trouvé l'endroit où il était mort. Tout le monde m'avait demandé de toucher sa tache de sang à lui. Putain. On y est. Victimus ! Ouh !
Ah, raté ! Je suis dégoûté. Victimus ! Victorieux ! Il n'a rien looté. Victimus triste. Il n'y a pas de chevalier errant plus facile à trouver parce que à ce rythme, ça va pas drop. Hein. J'en ai bien peur. Là, il y a que des clodos. Là, je sais qu'il y en a un qui traîne, je crois. Saut droit devant. Là, il y a géant versé, ouais. Il n'a rien droit. Malheureusement. De l'autre côté du site de grâce, en descendant les escaliers. Ah ah ! En descendant les escaliers, au site de grâce de l'échaudette, il y en a juste un. Ah ah ! Voilà qui est tentant. De l'autre côté, j'aimerais bien atteindre l'endroit en face. Saut droit devant, qu'ils me disent. Mais le saut ne passera jamais. Ok, une porte là-bas. Comment atteindre cette porte? En passant par cette porte. Comment atteindre cette porte? En trouvant le passage ou la porte qui y est liée, en faisant le tour. J'avais oublié. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça, c'est plus efficace. Et là, Victimus ne peut pas passer. Victimus, t'as pas la clé. Où est la clé? Putain, j'avais pas vu. Oui, on a le droit au backseat. Du moment que c'est pas des infos de chat, il faut que ce soit des vraies infos. Là, j'avais déjà tué le boss. Si, si, je peux craft la patte. Mais si je me repose, l'effet de la patte disparaît, on est d'accord. Hein. Donc, au final, si ça me sert qu'à farmer qu'une seule fois, c'est peu efficace en vrai. Non, c'est un timer. Oh. Ça monte ça ou ça descend? Quand tu te reposes, c'est bon. Tant que tu te TP pas via la carte. Ok. 3 minutes la passe. Ok. Tu te retournes et tu descends l'escalier. Quel escalier? Je ne vois que des ascenseurs. Là, il y a un escalier, mais ça monte. J'entends un bruit. Il doit y avoir un Gundam quelque part. Le voici, hein. Voilà une excellente nouvelle. Victimus se nourrit. Putain. Bien joué. Oh. Victimus a failli mourir. Ok, maintenant que je sais où il est. J'ai toujours la patte, très bien, excellente nouvelle. Et ils sont tous morts là, les mecs? Ah, les nazes!
Tu peux en choper une plus 8 dans la zone derrière le château. Si ça implique de tuer un PNJ, tu peux aller mourir. Victimus, ne tue pas les PNJ. Victimus, victimise son adversaire. Ouch. Voilà, Victimus prend la max aussi, surtout. Victimus boit pour oublier. Putain. Allez, drop. Ça implique de tuer un envahisseur. Ah, ça par contre, c'est intéressant. Après, il est possible que l'envahisseur aussi ait un niveau bien supérieur au mien. Avec une lance plus 8, ça m'a l'air énervé quand même, hein, soyons sincères. Puis je suis sûr que tu peux pas la porter comme tu portes un slip. Hein. Ça peut pas s'échanger comme une bite. C'est gratuit ça en fait. La vache! Il loot! Oh! Victimus! N'en crois pas sa chance! On a ses bras, ses jambes et maintenant le torse. Il nous manque le casque, mais honnêtement, on peut s'en passer. Parce que je vais être sincère. Mon casque est très très bien. Alors. Victoire pour Victimus. En vrai, j'aimerais bien avoir son bouclier aussi, mais bon. Voyons voir. Armure de chevalier banni. Ouh, la vache, elle est super lourde, effectivement. Alors, on doit se passer de ça. Oh, et même avec ça, ça ne suffit pas. C'est too much. Une utilisation intelligente des gants, même si elle est très laide. Tu vois en complet à quoi je ressemble? Oh oh! Victimus énervé! Victimus bien protégé! Ah, c'est vraiment une armure lourde de fou! Hein. Je perds beaucoup de style, mais. Je perds beaucoup de classe, mais bon. Honnêtement, ça le fait. Hein. Ça le fait, ça le fait. Des armes me feraient passer en charge moyenne comme la masse. La masse, notamment, qui n'est pas si mauvaise par rapport à la lance. Victimus Malax. Victimus maîtrise le King Fu. Le Night Fu. Ah, c'est pas la même chose. Alors ce que je trouve dommage, si je puis me permettre, c'est que du coup, le chevet est banni dans la salle où tu avais trouvé le voile mimétique. Ah, tu pars de l'extérieur et tu sautes le petit muret. Je sais pas à partir de quel point de sauvegarde ça se fait chez l'Abéator. C'est paumé. Mais du coup, je disais donc, je trouve ça dommage en fait que tu puisses pas... Ouais... C'est bien parce que c'est considéré comme deux armes différentes. Mais du coup, vous voyez, ça s'utilise pas en combo. Alors que clairement, il y a moyen de. Tu sais, moi, j'aurais mis ça. J'aurais fait en sorte que combo griffe et dague, ça marche, tu vois. Bon, après, on va pas trop en demander aux développeurs, tu vois. Ils ont déjà été assez gentils, je trouve. Mais voilà. Tu peux double griffe. Oui, j'ai bien compris.
de Victimus énervé. Fou la vache. Bon. C'est pas la meilleure apparence de Victimus, je suis d'accord. Mais j'en profite, si t'es dans le château, tu peux aller à la tour si jamais. Quelle tour, Zygma? À partir de d'où y vais-je? Il y a un insecte sur mon clavier, lol. À l'est, Bob. Victimus en conserve. Depuis l'entrée, à droite. Ah, cette tour là-bas, tout au bout! Oh oui! Depuis l'entrée, à droite. Porte principale de Valorage. Oh! Et c'est de mon niveau, c'est possible? Ah oui, c'est vrai. Victimus ! Crois en la force de ses alliés ! Ah ! Ah ! Victimus boit pour oublier. Trop nombreux. Sans la cape, ça change tout, je suis d'accord. Mais qui, quoi, où? Oh bah non, dégueulasse. Ah oh, la vache. Mille fois, hein, je lance des grenades et tout. Ça, c'est tellement dégueulasse, l'auto-aim dans ce jeu. L'auto-aim qui est inexistant. Même pas, il te fait comme l'ennemi. Elle a la politesse de viser là où tu vas te trouver, si tu veux. Non. Ah, bien joué ça. Ah putain de merde. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, super, ouais. Meilleure idée, ouais, vas-y frère.
Jésus. Ouh ! Ah mieux. Ça c'est un. Allez-y, 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 alignez-moi, 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 alignez-moi. Fais tout brûler devant toi. Mais dans la max, je te jure, ça passe grave, putain. Sois-tu, pute ! Très bien ça. Les joies du dual wielding. Point de grâce de l'échauguette. Descends l'ascenseur, puis pars tout au fond de la salle. Prends ensuite à droite, et puis tu remontes le tout. Alors, copie et colle ton message. Hein. Dès qu'il disparaît, tu le remets. Hein. Attends. Descends l'ascenseur. Le problème, c'est qu'il y a deux ascenseurs. Donc, on va imaginer que c'est cet ascenseur-là. Descends l'ascenseur. Puis part tout au fond de la salle. Tout au fond de la salle. Tout au fond de la salle. Prends ensuite à droite. Et puis tu remontes le tout pour être dans là où tu avais le voile mimétique. Je ne me souviens plus du tout où est le voile mimétique. Bravo. Alors, HL Bellator, par rapport à là où je me trouve, est-ce que je suis dans une direction qui pourrait y ressembler, de près ou de loin ? Ok, ça c'est la salle du mimétique, j'imagine. Boum !
j'ai touché, mais j'ai fait. Non, je voulais mettre la garde, mais j'ai oublié. Putain, j'ai oublié que je pouvais pas mettre la garde. Voilà. Donc ça, c'est là. On sort à l'extérieur pour sauter dans un petit muret. Non, c'est là, le petit muret. Voilà. Puis je te laisse découvrir par toi-même. Hacher la Bellator, si c'est quelque chose que j'ai déjà fait, je vais être très en colère, tu le sais, ça. Il prend des risques, le genou, il prend des risques. Ok. Donc là, il y a un fumier. On a quand même double touche, hein. C'est vexant. C'est un beau château quand même. Essayez bas. D'accord. Non, puisque tu n'as pas ouvert la porte, Bob, et je suis une femme. Merci. Toutes mes excuses, Hacher la Bellator. Taïo ! Ouh, la gifle ! Et là ? La porte est ouverte ! Victimus, victorieux. Après, je l'ai peut-être déjà fait, mais j'ai oublié d'ouvrir la porte. C'est possible aussi. Archer à gauche. Fort aimable de m'avoir prévenu. Yoink! Viande de torture en saumure. Clé lame de pierre. Excellent! Merci infiniment! Ce n'était pas une info de chat. Merci infiniment, Hacher la Bellator. Mais du coup, ça mène à pas plus que ça, en vrai. Là, je descends, et puis c'est le... C'est comme qui dirait la fin et la suite des haricots. Objet précieux. Non, c'est tout. Oui, désolé. Non, mais t'excuses pas. C'est déjà très très bien, je te remercie. Alors, château de Voile-Orage. Là où il y a le géant, il faut partir à droite. Donc le géant est là, si je me souviens. Là, c'est la cour et là, c'est la montée. Pour partir à droite... On cherche quoi, en fait? Pour la tour, juste après les arbalètes, tourne à droite. Ah, d'accord, donc il faut que je fasse... D'accord. Il faut que je passe par le géant, plutôt. C'est mieux. Ok, ok, ok. Là où il y a lion avec une épée. Je crois que je l'ai tué, lui, d'ailleurs. Mais non, oublie le géant. Ah. Pourtant, le géant est là. Pourquoi se gêner? Victimus? Donc, à partir de là, il y a moyen d'aller jusqu'à la tour. Depuis l'entrée, à droite, il n'y a pas plus simple. Oh, mais ça veut dire qu'il faut que j'esquive toutes ces arbalètes de merde. C'est chaud, c'est compliqué, c'est complexe, c'est risqué. Est-ce que j'ai le niveau pour gagner du level 12 000, non, je pense pas. Tant pis.
Au pire, c'est de l'argent perdu, je le vis bien. Ah! Bus, speedrun. Comme j'avais vaincu l'espèce de gros nounours, agressif et demeuré au demeurant. Tour. Vaincu. Approchez, approchez. Mesdames et messieurs, ça va commencer. Allez-y, prenez la gros, occupez-moi ces minables. Tant que je fasse poliment le ménage. Ah, bien joué ça. Ouch. Ils l'ont eu, et bravo! Ça, c'est des squelettes. Ok. Ah, j'ai cru qu'il allait se passer un truc. Même si ça s'accorde pas avec la lumière. Oh, il pleut et tout, c'est Kino! Talisman du dragon de foudre. Intéressant. Comment tu es mort, toi? On ne saura pas. Voilà qui est inquiétant. Oh.
Victimus, ce contre-manque de tes poutres, misérable! Ah! Victimus, patiente. Victimus s'est fourni chez les géants et les dieux! Pfou. Victimus a été appropriément récompensé. Elle déconne zéro. Arme colossale. Waouh. C'est donc ça l'équivalent de la grosse épée, mais en lance, en fait. Putain. Ouais, bah 36 de force, on n'y est pas. En attendant, je crois pas avoir été touché une seule fois par une flèche poutre aussi. Pierre calorifique. Victimus n'aime pas ça. Ah non! Ah non! Ah non! C'est bon. Peut-être une fois. Oui, peut-être parce qu'à un moment, il a donné un coup de hache et il y a eu une explosion à mes pieds qui était un tout petit peu avant le coup de hache. Et j'étais assez vexé de me dire d'où je me la bouffe celle-là alors que c'est trop tôt. Bien joué, squelette. Un de mes admirés, sorcellerie. Parcours. Parcours. Mais est-ce que je peux remonter après ça? À mon avis, je ne pense pas pouvoir remonter après ça. T'as looké l'arc du géant aussi, bien sûr. Victimus. Victimus ne peut pas s'en servir. Ok, bah tant pis. Ah, il te faut des flèches géantes. Ah. Victimus. Énervé. Bon. Clairement, Victimus n'est pas un archer. Ah bien. Ah, Gildas, la musique, tu saurais laquelle c'est si tu regardais toutes mes vidéos et que tu étais fidèle au Lennon et pas à la masturbation compulsive. Comme Victimus qui se protège la coque en bandant son arc régulièrement. C'est la musique d'intro de Heroes Hour, le jeu. Bon, et ben allons-y. Là où il est hippo, il y a un truc à faire. D'accord, merci beaucoup. Ah, Chelabellator, super. Recopie ton message parce qu'il a disparu à cause du chat qui discute. Mais je vais le faire juste derrière. Et ça y est, je suis à la... Ah oui! Ah oui! Merde, on peut toujours pas voyager vite. Bon, tant pis. Explorons déjà le reste du pont. C'est piaf. Sois agressif. Victimus n'aime pas les piaf. Arrière.
déglinguer. Putain, on est tellement près de l'arbre. On n'a jamais été aussi près de l'arbre. C'est là. Bon. Une patte de voile en saumure argentée. Quand même, j'ai chaté hein, pour et la lance et le l'arc. J'avoue, la chatte est totale et manque cruel de tête. D'accord. Ah. Je savais qu'il pouvait pas me laisser comme ça. Bon, y a rien d'autre. Ok, très bien. Et donc, dans cette tour magique, on ignore ce qui se trouve à l'intérieur ou à quoi ça sert. J'ai fait 4 fois le fight, j'ai eu ni l'albarde ni l'arc. La musique avec le général robot où les sous-titres étaient en binaire. Greeting Custodies. C'est-à-dire bonjour Custodes. Écrivez-le dans le chat. C'est l'ascenseur, sans doute. Menteur, droit devant. Fort, nuit. Bah. Quelque chose d'incroyable droit devant. Vous hydratez les enfants. Victimus vous conseille. Voir le pantalon aussi plein et rempli que Victimus. Bon, il n'y a rien. Ok, allons-y. Hop, 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 hop. Attention, quelque chose. Ouais, bien évidemment. Ah ouais, par contre Victimus voudrait prévenir l'équipe de dev que ça a commencé à se voir. Ça a commencé à se voir les textures PS2. Voilà, plus des textures PS1 quand même. Mais Victimus pense que ça sent la pute. Oh. Victimus n'aime pas ça. Victimus déteste l'idée. Qu'est-ce que... Ah.
Ah, il faut être à la grâce, d'accord, tout va bien. Je cherchais à m'en équiper bêtement. D'accord. Et je me souviens avoir lu... Ils avaient dit qu'il fallait aussi que j'utilise un arc runique, c'est ça? Et voilà. Alors. Rune majeure. Ah ah. Utilise un arc runique pour amplifier les pouvoirs des runes majeures équipées. Ok. Augmente tous les attributs. D'accord. Wow. Ah ouais. Plus 5 en tout, c'est ça. J'avais 17 en dextérité, ça c'est sûr. 10, 10, 10, donc 15, 15, 15. 28, 16, 33, j'avais 11 en esprit, ouais. Wow! Attends, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 levels en plus! Ah, je suis level 93! Je suis pas level 53, hein. Putain de merde! Ah, ça déconne zéro! Level inutile par contre. Bah non, puisque ça augmente ma défense et ma vie en général, tu vois. Donc c'est pas inutile du tout. Putain de bite! Ah, c'est énervé! Ah, par contre, j'avais pas beaucoup des arcs runiques du coup. Ah, forcément, ouais. Donc, c'est pas top en vrai. Sa race. Tant que tu ne meurs pas, l'arc reste activé. Ah, d'accord, c'est là le défaut en fait. C'est pas très efficace, très sincèrement, parce que j'ai bien pas assez d'arc. Et j'aurais pas, il m'en reste que 4 et je vais bien mourir 1000 fois en fait. Tu veux pas te servir de ça quand t'explores et quand tu fais des boss, tu sais que tu vas mourir. Donc ça n'est que pour des gens qui sont assez efficaces là-dessus. Tu peux farm les arcs, ouais, mais c'est long. Faut coop pour farm les arcs, ouais, mais c'est long, c'est un processus long. Donc, bon. Et accessoirement, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça doit être le désavantage que d'équiper la rune de Godric, je pense. Ok. Ah, tu me dis quand je t'envoie le passage, message pour le passage, Bob. Vas-y, Ashayla. Tu peux y aller. Ou Ashayla ? Ashayla ? On va dire Ashayla. Vas-y, Ashayla. Ok. Genre, on va commencer par molester le chevalier qui est juste en dessous, ça. C'est juste pour tester un peu. C'est juste pour goûter, hein ?
ferme à la gifle. Malheureusement, je suis encore en charge lourde, si tu veux. Et ça, c'est l'armure, je pense. Non, mais il est temps de manteler, hein, je pense. Voilà, le mantèlement! Le mantèlement est parfait! Victimus PNJ. 40 levels de différence, c'est énorme. C'est absurde, je trouve. En plus, la prochaine fois que je vais mourir, ça va être comme dans Dark Souls 1, tu vois. Tu perds ton humanité et bouc, la moitié de tes PV disparu. Obligé de rester équipé avec l'item qui te permet de... Obligé d'équiper l'item avec tes PV qui amoindrit l'effet d'être mort ou d'être, de ne pas être humain, si tu veux. C'est divin. L'endroit avec les pots. L'endroit avec les pots. Voilà, l'endroit avec tes pots. Ok. Fais le tour du côté gauche du lieu en longeant le mur à gauche en hauteur et tu vas devoir sauter bien sûr. Passage dérobé derrière, stop. Ah. Plutôt là où il y a le cadavre, j'imagine. Victimus, ok. Fais le tour. Victimus voit le passage. Victimus a raté son saut. Ça arrive. Voilà. Beaucoup de tasses de sang. Il est mis fort droit dedans. C'est donc le moment de combat à distance. Quid de ce lieu ? Essayez roulade. Des pierres de forge, excellent pour Victimus. Ok, devrais-je affronter les piafs? Thank you.
là là là. Blablabla. Ok, très bien, ok, très bien. Victimus en a fini de se faire molester par cet imbécile. Merci. Malheureusement, ce bouclier est très bien, mais pour l'instant, il a pas la compétence qu'il me faut. Il a pas de passif, en fait. Donc, de fait, il faudrait que je l'équipe d'abord. On en fait quelque chose d'intéressant. Une masse de chair. Y a rien d'autre d'intéressant ici ? Oh, je suis descendu pour rien. On peut remonter seulement ? Oui, on peut. Ennemi fort, mais il était pas fort. Il avait juste des patterns. C'était même pas un mini-boss. Bon, c'est pas grave. Oh. Essayez droite, tout d'abord droite, essayez droite. Il est hostile. Mais il veut pas me parler, il est hostile ou pas? J'ai peu de remords. Les boucliers sans passif, c'est le feu, Bob. Ça te permet d'utiliser ton passif d'arme. Ouais, je sais, mais... Ouais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Victimus! Mais j'ai pas voulu faire ça. Je vous jure, mon doigt a glissé. C'est pas grave. J'ai du caca et... Égide du manoir. Oh. Voilà un pavois qui a l'air de forte qualité. Moins fort contre la foudre et le sacré, moins puissant, mais demande moins de force pour être manipulé, un tout petit peu moins de garde. Garde 56. Mon bouclier à dorure est plus puissant, mais... Ouh, ce bouclier romain n'est pas en reste. Et il a la contre-attaque! Et tout rouillé, Bob. Oui, mais tout est tout rouillé. On est dans ce jeu. Ce que vous cherchez n'est sans doute pas loin. Tout d'abord. Bien joué, mais arrière d'abord. Ok. Admirer quelque chose. Ok. Ciel bleu droit devant. Bah alors. Une dorée. Essayez par ici, d'autant plus restez calme. Toujours drôle. Une pierre arc-en-ciel. Vision de saut et donc de malchance.
Déjà, ouvrons cette porte. Voilà. Qui mène au lieu de grâce de la chambre voisine de l'ascenseur. Excellent. Victimus a chuté. Victimus se téléporte. Il me semble que j'étais déjà allé dans ce sous-sol. Hein. Pour tuer le gros monstre avec l'espèce de plante là. Je l'ai first try, hein, en vidéo s'il vous plaît, hein, madame. S'il vous plaît. Donc respectez, Victimus! Voilà. Attention haut. Bien tenté. Face à Victimus. Cependant, ce genre d'astuce ne marche pas. De l'artéria. Très bien. Mais cette fois, t'as trouvé le vrai chemin. Ah bon? C'était par là? C'était comme ça? Oh. Mais du coup, j'ai récupéré ce qui était intéressant, le gros bouclier, grâce à Achaïla Baltor. Merci infiniment. Et merci à Pyrolaine d'avoir financé le sub d'Achaïla Baltor. C'est vrai, pour le passage des portes non ouvertes, mais merci infiniment. Et oui, tu l'as peut-être payé toi-même, mais je pense que Pyrolaine a au moins payé un sub à tout le monde sur ce chat. Du coup, est-ce qu'on peut retourner poliment à la table ronde? Essayer de parler aux doigts ou je ne sais pas quoi? La fameuse audience. Et ah oui, upgrader nos âmes aussi. Ah merde, elle veut pas upgrader les âmes elle encore. Well, I took you no matter it's lay out your arms then. The girl. What about her? Accepterez-vous de veiller sur Rodrika, le petit chaperon roux? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Rodrika, il faut que tu fasses l'amour à cette créature écrevisse étrange. Rassure-toi, ce n'est pas une question de longueur comme Victimus, mais une question de diamètre. If I do have a talent for spirit tuning, and goodness knows that would be a surprise. As I'll ask Master. Back already, no matter. Ah, elle peut tirer des lasers! Moi, ça en fait une. Ça en fait une. Ça en fait une lance laser! Arme tournoyante. Détermination, pitié orageux, mandoirage, piqué tempétueux, empalement et stock capté pas à vif. Pas de chevalier minier, donc le téléporte. Et maintenant on peut mettre l'affinité qu'on veut sur les armes, d'accord, c'est cool. Ça a dû être updaté ça.
Qu'est-ce que vous me conseillez du coup? Ah, c'était la de base, ok. Affinité lourde pour le scaling, la force, absolument. Mais je veux dire comme compétence, tu vois. Je réfléchis, hein. C'est très personnel les compétences, ouais, je vois. Donc, ouais, parce que ça, c'est Victimus. Quand il fait un saut, c'est stylé de ouf. Mais on n'y est pas. La téléporte, ça pourrait sauver. Hein. Pas vif, c'est juste lui qui fait un petit bond. Pas de cheval animé, c'est c'est le bruit de DBZ. La téléporte, tu veux. Donc, ça peut être bien ça, mais. Serment doré, ça dure combien de temps? ?30 secondes. Oh, c'est fort. Ok, quant à lui, on va mettre en part inébranlable. En faisant ça, les moins puissantes, vous voyez, 119 plus 150, ça fait 170 et près, à peu près. Là, 133 plus 174, ça fait 200, donc on perd 30 points de dégâts. Mais avec du sang, il y a accumul du saignement, et ça pour la comment ça s'appelle? Pour la rapière, je trouve ça OP. Derrière, il y a ça aussi, mais je peux pas... Ouais. Lui, j'ai mis le piétinement orageux. Je pourrais y mettre le pas de chevalier de limite. Serait fort. Voilà, pas de chevalier limite, la téléporte dans les téléportes. Ouais.
Les gants de Bonk l'ours, ça doit être quelque chose, j'avoue. Alors attends, voyons voir ce qu'on peut améliorer comme arme. Renforcer une arme. Alors, pierre de forge 2, ouais. Pertuisiane lourde, pierre de force de l'an 2. Améliorer la pertuisiane encore. Ça, est-ce que ça augmente genre sa stabilité, sa résistance et des choses comme ça? Non, hein, ça augmente juste ses dégâts physiques. Donc c'est bizarre. Mais... j'améliore la rapière un peu à donf. J'améliore un peu voilà, la masse à donf pour qu'elle soit plus 5 et que du coup elle soit viable. Du coup j'ai pas de quoi améliorer la pertuisiane. C'est une merde. Bon. Et là ça me coûte des pierres de forge sombre. Ça s'obtient ça? Ça s'achète ou pas? Ça augmente la garde un tout petit peu, genre un point par toutes les 2-3 buffs. D'accord. Ça se récupère pareil. Bon, vous pensez que je devrais les dépenser comme un imbécile ou... Trouver une arme qui te paye et investi. Ouais, non, mais je sais, ouais. J'aime bien la balette. J'investis. Ah ouais, je gagne un point de garde. Ah, c'est pas mal, hein. Allez, j'investis. J'investis. Non, le plus 25 sont plus 10, ok. J'ai mantelé en double la prochaine armure que j'avais indiquée sur ma box, je peux te la drop et t'épargner la phase de farm. Sérieux? Bah attends, au moins que je trouve l'endroit dans lequel ça se trouve, sinon c'est trop craqué. Je trouve. Ça, je crois que je peux m'y reposer, ça. Non, je peux pas m'y reposer. D'accord, ça compte pas comme un site de grâce. Si, voilà, si. Fouh. Allez, du coup, j'ai plus assez de level pour... ok. J'utilise ce que j'ai en trop pour... Voilà. Voilà, très bien. Ça me laisse 200 âmes. Du coup, voilà. Dans quoi... en vrai, force. Hein. Tant que j'ai pas force 36, si je meurs, je peux plus porter le bouclier. Donc pour moi, c'est baisé, tu vois. Moi, je propose force 36. Et après ça, commencer à monter vigueur. Et tous les 3 points de vigueur, un point d'esprit, tu vois. Ah, voyons voir. Voyons ma défense. Elle est où ma défense? Défense physique. 103, 104. 104, 104, 104, 104, 104, 104. Mais...